parti pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Aujourd'hui, à chaque top 1, je vais devenir plus stylé. Oh là 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 là, j'ai hâte de voir le skin le plus stylé de tout Brawl Stars. Parce que là, on commence avec le petit Squeak Intello. Ok. Là, je suis d'accord que le style, il est en négatif carrément. Ça va être du full survivant solo. Donc, il faut vraiment que je me concentre. Bien sûr, mets ton gros pouce bleu et abonne-toi. On vise les 3000 pouces bleus sur cette vidéo, les gars. C'est énorme, mais on peut le tenter. Et dis-moi dans les commentaires, pour toi, quel est le skin le plus stylé ou même le brawler le plus stylé de tout Brawl Stars? Moi, j'ai ma petite idée. Et bon, on va plutôt voir si on va l'obtenir aujourd'hui ou pas. Et je vous dévoilerai mon avis un petit peu plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le petit Squeak Intello qui est vraiment le plus stylé de tout Brawl Stars. Par contre, le brawler, en vrai, je l'aime plutôt bien. Je vais pas vous mentir, je le joue jamais, mais... En vrai, je devrais le jouer plus souvent. Bon, pour l'instant, on a 5 power cubes. Donc, le skin, il me fume. Hein. Je savais même pas que ça existait, un skin intello sur Squeak. Et bim! On a fait le ricochet. On a l'ulti. Qu'est-ce qu'il fait, notre ulti? Oh, il a fait plein de bombes. Oh là là, mais on est en train de fumer tout le monde. Bon, bah, les gars, on va sûrement évoluer dans un brawler plus stylé qu'avant. C'est bien évidemment Brawl Stars qui choisit dans quel brawler je vais évoluer. Donc moi, j'en ai aucune idée avec lequel on va terminer. Mais en tout cas, on les a fumés. Oh là là, ça commence bien. Je sens aujourd'hui, on va faire que des top 1. En plus, ça nous farme un petit peu des trophées. Franchement, là, je suis refait. Oh, oh, oh. Ok, bon, on n'est pas devenu beaucoup plus stylé. Regardez-moi ça, le lapin de Pâques Groom. Jusqu'à maintenant, on n'obtient pas mes brawlers préférés. Donc c'est assez compliqué de faire des top 1 en survivant solo. Juste, la chose qui nous arrange, c'est qu'ils sont du coup pas très haut en trophée. Et nos adversaires, c'est un petit peu des merguez. Bon, je t'ai vu, le petit Max caché là. Mon frérot, t'as cru t'allais pas me prendre par surprise? Non, non, non. Lui, il veut pas que je devienne ultra stylé aujourd'hui. Je vais l'éclater. Ouh. Ok, il m'a mis beaucoup de dégâts. Vous savez quoi, on va d'abord régénérer avec notre petit lapin de Pâques. En plus, c'est plus du tout la saison. J'avoue que bon, ce skin, allez, je lui donne un 2 sur 10 au niveau du style. C'est vraiment pas incroyable. En même temps, on est seulement au deuxième brawler, mais on a déjà évolué d'un petit intello à un lapin de Pâques. C'est pas mal. Oh, oh, il m'a fumé. Mais gars, c'est dinguerie. Bon, bah, du coup, ouais, on n'évolue pas, je dois vraiment faire le top 1. En vrai, dans ce genre de concept, parfois, Brawl Stars nous faisait un petit cadeau au début de la vidéo. Et là, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment pas que je devienne le plus stylé du jeu. Mais c'est pas grave, j'ai autant d'essais que je veux. Juste, bah, il faut faire top 1 au bout d'un moment, j'ai pas envie de perdre des centaines de trophées non plus. On va ramasser miettes. Hop là. Le butin pour nous. Oh, attends, les jumeaux. Allez, enlève-toi. L'ulti, il est un petit peu relou, là, laisse-moi tranquille. Ah, il m'a aidé, le RT. On a aussi un gadget. Ah ouais, attendez, le gadget, il est trop bien, regardez. Oh. Je dois plus l'utiliser. Ok, je suis en finale contre la petite Shelly au mieux. On va lui envoyer notre ulti, le gadget, et ça va être terminé pour elle, attention. Allez. Allez, elle a 1000 points de vie. Mais non, elle est en train de s'enfuir. Et là, c'est bon. Là, normalement, elle est foutue, elle est dans le coin. Frérot, t'es bloqué. Je crois qu'elle avait arrêté de jouer. Elle a compris qu'elle avait aucune chance contre mon petit lapin de Pâques. Mais j'espère quand même qu'on va avoir un petit peu plus la classe. Oh, oh. Le petit Stu en mode American Boy, gros beau gosse. Franchement, ça me fait tellement penser aux personnages qui jouent dans les films américains. Ils sont un petit peu censés être le gros beau gosse de l'école et tout, ceux qui font du sport, etc. Genre vraiment le cliché, eh ben, c'est le Stu sportif. Il a pas mal la classe, mais par contre, on est seulement au début du concept. Et on a déjà un skin qui est quand même vraiment stylé, la petite veste en cuir comme ça et tout. Franchement, c'est la classe. Mais ouais, il est au début. Bah, moi, je suis déjà plutôt content là avec notre brawler. Après, Stu, bon, je joue pas autant que ça. Je suis pas très fan de son ulti. Mais ça reste un bon brawler. Je vais m'échapper. Attention, attention, attention. Oh, c'est bon. J'ai réussi à me protéger avec la petite boîte. Vas-y, viens, Bonny. Viens. Viens que je t'éclate le ballon de foot là. Ok, regardez. Hop là. La petite décale. Oh, mais ça bombarde. Et on tire super vite. Mais je l'ai pas beaucoup amélioré. J'ai pas de gadget ni de power star. Peut-être ça. Quand je suis pas fan du brawler. Oh. Oh, c'est bon, je suis pas mort, je suis pas mort. Allez, on régénère. On n'a pas énormément de points de vie. On en a combien? 6000. C'est pas mal. Oh, il met des pouces rouges. Non, non, non. Il faut mettre des pouces bleus. Comme ça, on va obtenir des prix stars légendaires gratuits, les gars. C'est très important. Ok. En plus, vas-y. C'est quoi? Je vais le fumer. Il met des pouces rouges. Tu vas voir ce que ça fait de mettre des pouces rouges. Allez, je vais le chercher. Oh, il me met les modes de clown. Eh, bim. Je l'ai fumé. Ça lui apprendra à être toxique. Entre. Oula.
un petit peu entouré d'ennemis. Il y a la petite Ambre juste ici. Oh, elle fait mal quand même, hein. Et le petit Bonnie, est-ce qu'il va venir me chercher? Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. Ok, il voulait me fumer, mais c'est bon, on a réussi à le tuer. Il y a Ambre sur la droite qui est morte. Vas-y, on va ramasser miette. Oh, on est en finale avec 7 Power Cubes. J'ai bien l'impression que ça va être un top 1 supplémentaire. À moins que je me fasse fumer par le petit Bonnie. Oh, pas mal. Oh. Oui, mec, là, t'es la tronche. Oh là 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 là, bon, bien joué. Allez, Brawl Stars, on a fait top 2. Oh, un petit Pristar, ça, ça fait plaisir. S'il vous plaît, là, faites-moi évoluer. Je l'aime bien, ce tu sportif, mais bon, il y a mieux quand même. Pristar épique. Allez. Oh, 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 ils nous ont fait évoluer. Oh, attendez. Il a carrément fait un front flip. Le Colt braque avec les pistolets en or. Alors, j'aime beaucoup jouer le Brawler Colt. Maintenant, en survivant solo, je suis pas sûr que ça soit le meilleur. Pour faire un top 1 contre une Billy, par exemple. Oh là 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 là. Allez, Billy chewing-gum. On va t'éclater la tronche. Il fait très très peur, hein. Ok, on va lui piquer son power cube. Ah, il arrive un petit peu proche. Ok, tire à travers les murs. Est-ce qu'on essaie de le terminer? Allez, allez, allez. Oh, on l'a fumé. Mais ouais, le braqueur, c'est très très stylé. Après les gars, commencez pas à faire des braquages. C'est stylé, mais seulement dans les films et sur Brawl Stars. Mais ouais, franchement, il a la classe. Ok. Oh, l'esquive qu'il m'a mis. Vraiment là, il m'a mis une dinguerie. Bon, je vous dis directement, je suis pas très bon avec le petit Colt, qui est assez souvent à côté. Mais vas-y, c'est quoi, je vais faire la technique du buisson. On va attendre ici. Bon, je crois que les adversaires, ils font la même stratégie que moi. Il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a aucun bruit sur la carte. On va aller au mieux. C'est quoi, je vais pas faire la campouse. Viens là le petit Squeak. Je vais t'éclater. Oh, bon, il était trop nul. Ça fait plaisir, 5 pour cube. On va vérifier qu'il n'y a personne dans les buissons. Oh, je l'ai cramé. Je l'ai cramé. Oh, oh, heureusement que je lui ai balancé tout mon ulti en pleine tronche. Parce que regardez, il avait 10 power cubes. Il a réussi à perdre. Oh là là, la grosse merguez. Déjà vous, entre le skin. Oh là là, j'adore les figures qu'il fait. Ça, c'est vraiment trop la classe. C'est validé. Et maintenant, on va devenir encore plus stylé. J'ai trop hâte de le découvrir. Oh, oh. On devient carrément des super-héros. Oh là là, en plus c'est Thor, c'est un de mes préférés. Mais par contre, on risque de tomber contre des adversaires plutôt forts parce que j'ai pas mal de trophées avec le petit Billy. Mais aussi, entre, il est maxé, donc ça c'est une bonne nouvelle. J'ai tous les gadgets, tous les ultis. Allez, viens là le buzz. Oh. On va se régaler, on va aller plutôt chercher les power cubes au lieu d'essayer de faire 5 kills. Hop là, je reviens ici, on récolte ça tranquillement. J'avoue que là, on est arrivé à un niveau de style, mais juste incroyable. On a un super héros. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, quel est votre super héros favori? Moi, je vous avoue que Thor, je le trouve quand même super stylé. Ok, le petit su, il me met pas mal cher. On va prendre les power cubes, nous. Comme ça, on aura plus trop peur des ennemis. Ok. Il me met cher. Vite. Oh là là, il faut une alliance, les gars. Ils sont les deux ensemble, mais c'est pas grave. On met des pouces bleus pour obtenir les prix stars légendaires. J'essaie vraiment de le faire un maximum pour que tous mes abonnés vont obtenir des prix stars légendaires gratuits. Ça me ferait vraiment plaisir. Je pensais qu'il y avait quelqu'un dans le buisson. C'est pas grave. Est-ce que je peux ramasser miette? Viens là. Oh. Le truc trop cheaté avec Billy, c'est aussi hyper charge plus ulti. Ça fait super mal. Par contre, le Léon, il se débrouille très très bien. Allez, viens par ici, le petit Stu. N'aie pas peur. Ah. Je m'y attendais pas. Oh, il est sorti de nulle part, le Léon. Il a 7 power cubes, donc faut faire quand même pas mal attention. Je pense qu'on va jouer un petit peu la zone, hein. Je vais attendre qu'il soit obligé de venir. Ok, il arrive. Oh, t'as cru, je t'avais pas vu. Il a cru, il allait me fanter avec son vieux gadget. N'importe quoi. C'est le top 1. Encore une fois, on fait vraiment full victoire aujourd'hui. J'ai trop envie en fait d'être le brawler le plus stylé de tout Brawl Stars. Et on va découvrir maintenant qu'est-ce qui est mieux qu'un super héros. Oh, le petit boule. Oh, on dirait vraiment un méchant dans les films. Oh, j'avoue que l'œil avec la griffure comme ça. Oh là 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 là, il a la classe. Après bon, est-ce que maintenant il est vraiment plus stylé qu'un super héros? J'ai des petits doutes là, Brawl Stars, vous m'avez arnaqué. J'ai fait top 1, il me donne ce vieux boule avec son châle, on dirait une grand-mère. Non, je rigole, non, franchement, il a la classe, mais je crois que je préférais Billy Thor. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est loin d'être le dernier brawler aujourd'hui, donc on va continuer à farmer. Déjà là, avec tous les power cubes que je vais obtenir, ok, parfait, la Rosa qui utilise toutes ses munitions, je peux la tuer tranquillement, on a 10 power cubes, c'est encore une victoire. Mais si tu aimes ce concept et que tu veux le voir plus souvent sur la chaîne, eh ben, il faut lâcher le petit pouce bleu et s'abonner, et ça fait plaisir. Allez, on fonce sur l'étape.
Oh, même pas le temps de mettre ton ulti que je t'ai éclaté. C'est quoi mon gadget? Regardez, je sais pas à quoi il correspond, mais pour l'instant, je peux pas l'utiliser. J'ai envie de l'utiliser comme cobaye, oui. Ok, bon. Je l'ai tué en un seul coup. Je sais vraiment pas à quoi sert. Le bulldozer doit être actif. Quoi le bulldozer? J'imagine que c'est mon ulti. Vas-y, on va tester. Oh, sympa, mais bon. Du coup, là, j'ai utilisé mon ulti pour rien. Alors, vous voyez, dans les vidéos, c'est aussi un petit peu des expérimentations. De toute façon, on sait qu'on a gagné frérot avec 14 pour cube sur un brawler corps à corps. Il n'y avait aucune chance que je perde. Et ouais, non, j'avoue, il a des petits bijoux en or. Il est stylé. Mais bon, allez, frérot, donne-moi quelque chose de mieux, s'il te plaît. On a chopé, par contre, les 100 trophées et... Oh, oh, ça, c'est le petit Brock hacker RGB. Oh oui, il a trop la classe, lui. Oh là là, les LED multicolores, je suis trop fan. Mais par contre, il y a un truc que je suis beaucoup moins fan, c'est que j'ai, il me semble, quasiment 900 trophées sur Brock. C'est-à-dire que là, les ennemis vont être vraiment, mais ultra forts. Oh là là, je vais me faire fumer. Surtout avec un Brock en survivant solo, c'est injuste. Et je vais essayer, hop, je prends le power cube. Laisse-moi tranquille, Léon. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai envie de devenir encore plus stylé qu'un Brock hacker multicolore. Ah, attendez, je m'enfuis. Oh là là, heureusement on a le gadget. Demi-tour. Il veut pas me laisser tranquille, le Léon. Ok, il est juste là. Héros, vraiment, lâche-moi la grappe. J'ai envie de faire top 1. Je vous dis honnêtement, j'ai un petit peu envie de faire la stratégie où je me cache dans un buisson. Mais je dois faire top 1. Et je pense pas que je vais réussir comme ça. Mais regardez, j'ai aucune chance contre un Léon. Surtout qu'il a son ulti d'invisibilité qu'il peut utiliser à tout moment. Ok, ça va, je lui ai mis deux munitions quand même. Je commence à avoir un petit peu mal. Allez, une troisième. Ouais, pas mal. Vas-y, je balance l'ulti. Allez. Non, oh, j'ai pas réussi à le choper. Au moins, j'ai essayé. Ah, il m'a feinté. Il m'a feinté. Ok, c'est bon. Bon, on est encore en vie. C'est le principal. Laisse-moi tranquille. Oh là là, je lui ai mis cher. Mais là, par contre, je suis vraiment dans la mouise. Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir, c'est sûr. Ah, je suis foutu. Les gars, je sais pas comment j'arrive à résister depuis avant, mais c'est très très chaud. Et le Mortis qui vient me ramasse bien, c'est une dinguerie. Mais c'est injouable. Oh, j'ai le seum, moins 4 trophées. On est à combien? Ouais, on est à 874. Allez, allez, un petit peu plus stylé, non? Bon, je dois repartir jouer. Essai numéro 2. Espérons que ça soit la bonne. Petite Shelly, mais en fait, déjà, tous les brawlers corps à corps, je vais vraiment galérer. Et encore plus en fin de partie. J'arrive vraiment pas à imaginer comment je peux faire top 1 avec Brock. Même si, voilà, je suis très très stylé, ça, je suis d'accord, mais... Le top 1, ça va être plus compliqué. En plus, il y a tous les buissons. À tout moment, il y a des kits ou des Edgar à l'intérieur. Oh là là. Là, déjà, le kit, s'il me saute dessus, bah, c'est terminé pour moi. On a la petite Lily en bas. Je suis très très mal entouré. C'est une table des esquives, lui. Allez! Ah, enfin, il y a au moins une roquette qui passe. Je me dis, à moins que j'arrive à faire le giga ramasse-fête en fin de partie, ça va vraiment être super dur. Déjà, il y a la Lily, elle veut pas me laisser tranquille. Ok, je vais la voir. Vas-y. C'est quoi maintenant? C'est moi, je te cours après. Depuis avant, il me focus. Oh, il est devenu invisible. Il va partir où? Oh, il m'a feinté! Il m'a feinté, les gars. On va balancer l'ulti. Ah, ah, j'ai paniqué. Ok, faut pré-shot. Et bim, voilà, ça lui apprendra. Depuis avant, il me laissait pas tranquille. On est dans les 4 derniers. Il y a un kit, il y a un beau qui a beaucoup de points de vie. Oh, qu'est-ce que je raconte? C'est plutôt un surge. Le Spike veut pas me laisser tranquille, mes frérots. On est les deux dans la mouise. Là, faut plutôt s'attaquer à ceux qui ont beaucoup de power cube. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. J'avoue que le kit, c'est le pire. Ça m'arrangerait bien s'il meurt. Allez, on fume le kit, les gars. On le fume. Aïe! Pourquoi le surge, il veut pas me laisser tranquille? Ok, et moi, il ramasse miette. Oh, magnifique! Ok, je suis en 1 contre 1 contre surge. Je peux rien faire. Je peux rien faire, les gars. Ok, je l'ai esquivé. Oh non! Non! Non, les gars, là, je méritais de gagner. En vrai, j'ai fait top 2, c'est un peu une victoire, non? Allez, s'il te plaît. Oh là. Oh! Ah! On a presque une légendaire, mais bon, mythique, 500 bling, ça fait toujours plaisir. Petit prix star épique. Allez! S'il te plaît, Brawl Star! J'ai fait le pigeon, j'ai claqué des centaines d'euros dans le jeu. Oh! 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 Let's go! On a chopé Miko Wukong. Oh là 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 là, j'avoue qu'il a la classe. Allez, maintenant les kits, ils peuvent venir sans problème. Je leur éclate leur tronche. Et par contre, ouais, farmer les boîtes, ça va nous prendre un petit peu plus de temps que de prévu. Mais bon, c'est pas bien grave. On a tout le temps. Miko Wukong. Oh là 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 là. Masterclass skill. Ah, j'avais pas vu le Mortis. Oh, il m'a fait peur. Et c'est bon, vas-y, on va le fumer. On le termine. Les gars, je cours après. Ça lui apprendra. Hop là, en diagonale. Quoi?
a réussi à le choper. Hop là, on a réussi à le terminer après une heure de course poursuite. Et bien avec Miko, c'est qu'on a beaucoup de points de vie. Et si t'as des bons réflexes, tu peux sauter par-dessus les munitions des autres. Et ça, c'est beaucoup trop cheaté. Après, il faut être fort. Oh, c'est quoi tous ces power cubes qui viennent de récupérer? Ouais, je m'attendais. Le Léon, il est trop bien là. Oh, il m'a pas mis une seule munition. C'est vraiment trop cheaté. Et on va partir avec notre ulti. T'es foutu, mon gars. Tu es foutu, c'est terminé pour toi. Oh, oh, ce brawler déjà qu'il est stylé. Mais en plus c'est une masterclass. Le top 1 le plus rapide de toute ma vie. Oh, wesh. Oh. Et d'abord je me suis dit, c'est qui ce brawler? C'est un scorpion. Wouah, Pan, j'avoue que là, oh, il a une monture. Un scorpion. Wouah, la masterclass. Pan, je connais même pas le nom du brawler. Mais là, il met clairement une vitesse à tous les autres skins qu'on a eu avant. Oh là là, la monture scorpion, c'est vraiment une masterclass. Maintenant, plus qu'à voir si on arrive à faire des top 1. Oh là là, j'ai failli mourir, hein. Faut faire attention quand même. J'ai toujours pas compris comment fonctionne son ulti à ce brawler. Mais c'est pas bien grave. Mais ce n'est pas le skin le plus stylé de tout Brawl Star. Allez, on les éclate. On a déjà 4 power cubes, on est plutôt pas mal. Oh, j'ai mis des dégâts. Je sais pas comment. Allez, encore un coup. Oh, oh. On lui a envoyé le poteau en pleine tronche. Ici, c'est le paradis des power cubes. En plus, on met des dégâts de zone. Donc, on va rapidement farmer tout ça. On prend encore les deux juste ici. Et là, on est très, très bien. Le Poco. Regardez. Il sait qu'il a aucune chance. Allez, c'est fini pour toi. Daryl, tu peux abandonner. Héro, on t'a vu dans le buisson. T'as 4 power cubes. Tu peux aller dans la zone. C'est fini pour toi. Même si tu mets des petites esquives. C'est terminé et on va devenir encore plus stylé. Allez, allez frérot. Attendez, je lui mets un petit pouce bleu avant. Et il abandonne pas, hein. Pas dans la zone. Non, j'ai failli mourir. J'ai pris beaucoup trop la confiance. Mais, ah ouais, masterclass skin. J'avoue que là, frérot, tu as une monture de scorpion. Trouve-moi quelqu'un de plus stylé. Ah, c'est ce qu'on va voir maintenant. Attention. Oh, oh, ça c'est Mortis. Ça c'est le Mortis Mecha. Oh. Ouais, mais attendez, en fait, j'ai jamais vu, mais son épée, elle est plus grande que lui. Il a vraiment une force de malade. Comme je l'ai dit avant, hein, dites-moi dans les commentaires quel est le skin le plus stylé. En vrai, moi, j'avoue que Mortis Mecha, il a quand même vraiment la classe. Donc, je l'aime beaucoup, mais c'est pas le dernier. Quand tu vois la taille de son épée, mais wouah. C'est vraiment une masterclass. Des petits power cubes qui ont été farmés pour moi, merci beaucoup. On va récupérer ceux du milieu aussi. Hop, 1, 2 et 3. Oh, ok, le code qui met des dégâts. Et ils sont en train de faire une alliance là, vas-y, je vais les fumer. Ils vont voir qui c'est le mec qui a le plus de style dans cette game. Ok, Colt qui est mort. Et nous, on va aller chercher la petite Nita, même si elle est à l'autre bout de la map. Regardez comme je l'ai rattrapé en 2 secondes. Mortis, c'est vraiment un brawler incroyable. Je vais même pas fermer les power cubes. L'ours qui me suit derrière, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais plus vite que lui. Nous, on va plutôt aller faire un petit peu des kills. Oh, comment il m'a éjecté autant loin? Bon, je crois que du coup, il s'est pris l'ours de Nita. Bon, ça va, il a réussi à le tuer. On a vu qu'il avait plus beaucoup de points de vie. Et c'est le top 1 effectué. Et on fait quasiment full top 1 aujourd'hui. C'est vraiment une masterclass. Plus 10 trophées. On passe quasiment au 200, palier 15. Et attention. Oh, oh. Wesh. Wesh, l'attaque. Oh, le samouraï. J'avoue que là, je m'attendais pas du tout à cette animation. Oh là là, les samouraïs, moi, je trouve ça tellement stylé. Il a clairement sa place dans le classement. Après, bon, par contre, c'est Jean, si je me trompe pas. C'est pas mon brawler favori, surtout en survivant solo. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose pour devenir encore plus stylé que ce qu'on est maintenant. Même si là, un samouraï, c'est vraiment une masterclass. Regardez, il envoie carrément des katanas. Oh, j'ai tué en un seul coup Nani, là. Je savais pas que c'était autant fort. Hop là, 2800 dégâts. Ok, il y a le petit Sam. Essaye de venir. Mon ulti, c'est quoi? Je sais plus ce que c'est. Je crois que ça attire les ennemis sur moi, non? Bon, on le verra. Il y a le petit Miko ici qui farme les power cubes. Hop là, je vais lui piquer ça, hein, merci beaucoup. Le Sam, je pense qu'il a aucune chance. Allez, viens là. Ah, il arrive à s'échapper, les gars, il va plus vite que moi. Comment c'est possible? Je suis un samouraï ou je suis pas un samouraï? Eh, hey, il y a un mensonge là. Ok, je vais. Ah, oh, je me suis fait fumer. Aïe, 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 aïe. Bon, ah, malheureusement, j'ai perdu. Mais, oh, c'était du coup apparemment le dernier skin le plus stylé de Brawl Stars.
Oh là là, j'avoue qu'il est quand même incroyable. Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec ce classement. Mets ton gros pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si tu veux d'autres épisodes comme celui-ci. Régale-toi avec mes autres vidéos juste ici. Et moi les BG, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!